La lésion sous-chondrale entraîne une douleur qui peut être accentuée par la morphologie ou le morphotype du pied, nécessitant dans ce cas la consultation chez un podologue afin d'envisager une correction de ce trouble statique et d'atténuer la douleur et la symptomatologie. La douleur entraînée par et accentuée par le trouble statique peut être atténuée par la correction de ce trouble statique par le biais de semelles orthopédiques. En cabinet de podologie, cette pathologie est difficile à traiter, compte tenu que nous avons un manque de traitement, de capacité de traitement, de stratégie thérapeutique, d'où l'utilisation de la thérapie laser par le podologue, qui lui permet une alternative thérapeutique court terme en attendant la réalisation de l'appareillage plantaire. Rapidement, le patient ressent une amélioration de la douleur à la mise en charge, que nous pouvons évaluer entre 20-25% au ressenti du patient. Je sélectionne la zone géographique à traiter. Je sélectionne le type de douleur et de symptomatologie, qui, dans ce cas, est une douleur arthrosique. La chronicité et l'intensité de la douleur. J'arrive sur un programme déjà préenregistré que je vais modifier en alternant des séquences d'ondes pulsées en ISP afin d'éviter l'accoutumance des tissus à une puissance donnée. J'effectue un premier passage en CW afin d'activer maximum de cellules plantaires. Voilà. Mon pulse change, je suis en Hertz. Donc là, je refais une stimulation générale. Là, mon mode ISP est enclenché. Je vais venir insister sur la zone douloureuse. En mettant en tension le système articulaire, permettant une meilleure pénétration des ondes. Je repasse en mode Hertz. Je vais activer mon zoom. Et là, passer dans les espaces interdigitaux. Je m'attarde sur la zone douloureuse. Je favorise des balayages latéro-latéral compte tenu de la zone étroite à traiter. Je repasse en Hertz et je reproduis ce schéma en 3-4 fréquences. Je finis en restimulant l'ensemble des articulations, le tissu articulaire du médio-pied, et je repars pour finir sur une stimulation de l'ensemble du pied. Pour ce type de lésion, je préconise 4 à 5 séances espacées d'une semaine. À ce jour, on note une amélioration de plus de 70% de la symptomatologie et le tout a été
traité en parallèle par une orthèse, par le renouvellement d'une orthèse plantaire, normalisant ainsi et harmonisant l'appui plantaire.